Eh bien salut les amis, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de l'aventure de Kirby Battle Royale. Ça aurait été un petit jeu sympa, pas le jeu de l'année, mais moi j'aurais passé quand même de bons moments, même si j'aurais peut-être voulu qu'il y ait un petit peu plus de mini-jeux, mais bon, c'est comme ça, c'est pas si grave. Alors ça c'est hors de question, on va pas faire ce mini-jeu, c'est obligé. Ça, remporter la victoire en empêchant vos rivaux de marquer le moindre point, ou c'est pas facile non plus. Remporter la victoire sans vous faire toucher par Robot Bunker. Ça... c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Bon, ensuite, on va faire de la vitesse et de la charge rapide. Est-ce qu'on va y aller avec le marteau? On peut y aller avec le marteau, hein. On y va avec le marteau. Allez, on y va avec le marteau. Donc, il faut faire en sorte que Robot Bunker ne me touche pas. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir... il va sûrement falloir que je fasse attention. Mais il y a certains moments où je vais peut-être devoir abandonner des points pour ne pas me faire toucher. Alors, voyons voir. Oula, arrêtez, parce que ça commence déjà pas mal. Et en plus, s'il fait que de me viser, c'est pas bien du tout. Allez... alors là, il me vise pas, non? Non, il m'a pas visé, c'est pas moi qui l'a visé. Qu'est-ce qui se passe, là? Ok, d'accord, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai rien compris du tout. Oula. Non, mais arrêtez. Qu'est-ce qui leur arrive, là? Mais arrêtez, il va me taper! Ok, c'est beau, il m'a pas tapé. Enfin, en même temps, eux, ça les arrange qu'ils me tapent, donc... ok. J'ai 900 points. C'est pas énormément d'avance, hein. C'est vraiment pas énorme, c'est pas énorme, donc c'est pas cool. Allez. Là, on va essayer de marquer le plus de score le plus rapidement. Allez, va arrêter. Non. Ah, ils me font mal, je comprends pas où je suis. Bon, ce qu'il y a de cool, c'est que là, dans tous les cas, il peut pas m'attaquer, donc là, c'est bien. Et j'ai plus de points, donc c'est très bien. Ok, il y en a un qui est mort. Il y en a d'autres qui sont bientôt morts. Oh. Voyons voir, ça il nous le faut. Ça il me le faut. Très bien. Voilà, il me vise, donc je m'en vais, je le laisse faire ses trucs. Le scarabée m'a tué, c'est pas grave. C'est pas grave que je sois mort. C'est pas grave du tout. Surtout que j'ai de l'avance, donc y a rien de grave. Très bien. Non, je me suis trompé de bouton, dommage. Ah mince, pourquoi je l'ai pris? Ça a aucun sens. Là, vise-les, tue-les, fais ce que tu veux, amuse-toi. De toute façon, j'ai tellement de points d'avance pour le moment que je m'en moque. Voilà, ok, il tombe. Alors, maintenant qu'il est tombé, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, je vais faire ça. Non! Oh, j'ai cru qu'il m'avait touché. Ok, très bien. Et une fois que le pouvoir sera arrêté, je vais faire ça, comme ça. Ah, ah, va-t'en. Oh, il m'énerve, lui. Il m'énerve, là. Ok, non, je vais même pas pouvoir... mais arrêtez, mais qu'est-ce que... bon, de toute façon, c'est pas grave. Faut pas que je prenne de risques, là. Ouais, parce que j'ai quand même envie de marquer des points, mais dans tous les cas, c'est plus grave ce qui se passe, parce que même si quelqu'un arrive à faire le coup final, et c'est pas moi, bah c'est pas grave, je gagne quand même. Voilà, j'ai gagné quand même. Je me suis pas fait toucher par Robot Bunker, donc c'est très bien. Qui a fait le coup de grâce? Bah c'est moi, en plus, c'est moi. Donc c'est super, j'ai marqué 2000 points de plus. Ok, ça s'est bien passé. Mais alors là, j'ai peur des deux autres, parce que... faut que je regarde quelle est la règle alternative du truc des ballons. Mais bon, c'est déjà difficile de base, alors s'il y a une règle en plus, ça sera encore plus dur. Puis attendez, j'imagine bien la règle, hein, la règle genre... ne pas laisser l'adversaire marquer un seul point. Ah, non, surtout pas. Ah, ça, en plus, c'est un nouveau record, très bien. Très bien. Et là, il m'en reste qu'un seul à faire, donc va falloir que je choisisse entre les deux. À moins qu'il y ait de nouveaux trucs. Non, il n'y a pas de nouveau. Faut que je fasse l'un des deux, obligatoirement. Ah, faut juste que je remporte la victoire. Alors, je vais essayer. Je vais essayer un petit peu. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Très bien. Et voilà. J'aurais peut-être dû mettre la vitesse. C'est trop tard.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais mettre les... le pouvoir de l'épée. Et je suis en équipe toujours avec le bandana Waddle Dee, qui n'est pas très vif, qui n'est pas très puissant. Ah, ça a changé de terrain. C'est la première fois que je vois ce terrain. Mais pourquoi, eux, ils ont comment... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce terrain qui a absolument... D'accord, bon, il est très bizarre, ce terrain. Il est pas symétrique. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que ça va s'échanger, là, ou quoi? Non, ça s'échange pas, c'est bizarre. C'est carrément étrange. Ok. Très bien. Bon, bah, pour le moment, ils sont pas non plus très vifs, hein. Ils sont pas aussi forts que Metanalt. Après, c'est le début, hein. On sait jamais ce qui peut arriver ensuite. Non mais attendez, mais ils rigolent ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Non, non, non. Et non! Je savais pas qu'ils faisaient parfois des ralentis quand c'était loupé. Non mais attendez, c'est une blague là. Le truc, il a amené le drapeau devant moi. Tant mieux, tant mieux. Et pour l'instant, j'ai perdu qu'un tout petit peu de vie. C'est cool aussi. Et qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Quoi? Ça me paraît dangereux, là. Ok, d'accord. Ça me paraît sacrément dangereux, là, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont rassemblé les drapeaux, là? C'est bizarre. Ok, il y en a un qui est mort, donc bah, je pense qu'on a gagné, hein. Voilà, on a gagné, très bien, c'était facile, j'ai eu peur, je voulais pas du tout faire ce mini-jeu, bah finalement, je pouvais le faire dès le départ. En fait, ce mini-jeu n'est pas vraiment dur, c'est juste que Meta Knight, il était balèze, hein. Son équipe était balèze. Et là, je pense que là, le niveau de l'ordi, bah il était plus faible que... Enfin, leur niveau de difficulté était plus faible que celui de Meta Knight. En même temps, ce sont que des petits Kirby. Alors que Meta Knight, c'était un boss, entre guillemets. Bon, il n'y avait jamais besoin de mettre de guillemets. C'était littéralement un boss. Et voilà. On a 500 points. Prenez part à la grande finale. Qu'est-ce que ça va être? Oh là là. Nous y voilà, la grande finale. Et tu sais ce qui nous attend si on la gagne? Le plus grand, le plus beau, le plus délicieux des gâteaux. C'est vrai. J'avais complètement oublié le gâteau. Vous croyez vraiment que la victoire sera aussi simple? Roi Dalidou, il y a déjà bien longtemps que vous auriez dû perdre tous les deux. Votre Majesté? Finis vos pitreries, je vais m'occuper de vous. Attends, tu crois ce qu'il veut dire? Pour la grande finale, c'est moi qui serai votre adversaire. Vous vous en êtes bien sorti, mais mon marteau et moi, on va vous écraser. D'accord. Bon, je pense quand même que Roi Dalidou sera un petit peu plus balèze que les Kirby. Hein. Oh non, on n'a aucune chance de remporter le prix maintenant. Mais tu rigoles, combien de fois Kirby a déjà mis la pâtée à Roi Dalidou? Oui, tu as raison, on ne peut pas baisser les bras aussi près du but. Il n'y a qu'à franchir ces portes. Notre ultime combat nous attend. Allez, notre ultime combat nous attend, c'est parti les amis. Prendre part à la grande finale, relever le défi. Ce jeu est cool quand même, il y a pas mal de mini-jeux, c'est bien, mais je pense qu'il aurait été mieux quand même si en plus de ça, il y avait eu des boss. Je pense que ça aurait été cool s'il y avait eu des boss à thèmes différents à la fin de chaque ligue. Ça aurait été mieux, je pense, mais bon, tant pis, il est quand même pas mal. Hein. Alors, augmente votre force de 40% pendant 15 secondes. Non, mais il n'y a pas de combat, donc comme il n'y a pas de combat, c'est pas grave ça. On aura peut-être besoin de la vitesse, j'en sais rien. Non. Ah mince, j'ai fait B. Non, non, non. On aura plus besoin de la charge rapide, je pense. Ouais, maxi tomate et peau de métal. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal. Alors, là, remue ménage, on y va avec l'épée, parce que l'épée, c'est ce que je contrôle mieux. Et on est contre Roi Dalidou et Soldat. C'est un Waddle Dee avec le petit chapeau violet, c'est ça? Je pense que c'est ça. Oui, ah bah, ah, c'est pas un soldat comme les autres. Ah, si, 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 c'est un soldat comme les autres. Alors, c'est parti. Placez-vous sur le bon panneau. 4 plus 1, 5. Et est-ce que Roi Dalidou, on peut le débloquer?
Yes! Non! Ouf! J'ai eu peur qu'il retombe dessus. Très bien. Comme ça, on commence avec le premier point. Enfin, avec les deux premiers points. Attendez, si je me rends invincible, là, ils peuvent pas m'attaquer. Bah ouais. Mince! Bah, ah oui, bah c'est nul, en fait. Ah, c'est nul, parce que Bandana Waddle-Dee, il a pas réussi à attaquer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais là, c'est nul, parce que je suis lent. Ok. Ah, mais c'est pas à moi de le faire, là. Oh, mais Waddle-Dee, il a pas compris qu'il fallait pas attaquer les autres. Il fallait faire une attaque chargée sur les cibles. Bon, c'est pas grave. Et transporter 3 pommes. Non, 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 non. Donne-moi une, là, Waddle-Dee, mais t'es sérieux? Ah, c'est bon, ok. Je comprenais pas, Waddle-Dee, il avait 3 pommes. Il en avait même plus que ça, je crois. Il se baladait, il s'en moquait. Placez-vous sur le bon panneau. 9 moins 1, 8. Allez. Super. On a marqué 2 points de plus, et eux, ils ont rien. Là, on recreuse l'avantage. Il reste plus que 2 points à marquer. Ne vous faites pas toucher. Bon, là, je pense pas... Ça, je pense pas qu'on y arrive, encore une fois. Non, non, non. Touche-le, l'autre. Ah, mince. Tant pis. Pourquoi il y avait des pommes? Ah bah oui, parce qu'on peut les prendre et les jeter sur les autres, et ça compte comme si on les avait touchés. Alors, à éviter l'explosion. Pourquoi, là, maintenant, ils vont que nous mettre des trucs durs? Vous allez voir. C'est bon. Ah, mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce que Waddle-Dee s'est fait toucher. Tant pis. Bon, on a quand même 5 points d'avance. 5 points d'avance, c'est largement suffisant. Non, 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 non. Ah. En plus, là, il marque 2 points. Ah, il commence à remonter, là. Pourtant, c'était pas bien difficile comme épreuve, mais je me suis fait avoir. Là, il suffit que l'un de nous gagne. Éviter les astéroïdes. J'ai peur, j'ai peur. Ah, c'est bon. C'est bon, on a gagné. On a gagné. Super, voilà. On a gagné, ouf. Donc là, c'était que la première épreuve. Mais encore une fois, je suis un petit peu déçu parce que, bon, bah, il y a un boss, là, mais j'aurais bien voulu que les boss, ce soient des mini-jeux à part entière. Genre qu'on soit, par exemple, à 4 contre un Waddle géant, que l'autre fois, on soit à 4 contre un Meta Knight géant, ou à 4 contre Wispywood, ou à 4 contre Krako, des trucs comme ça, et qu'après, faille le taper, l'éviter, etc., et que ce soit celui qui a fait le plus haut score qui gagne, donc celui qui l'a le plus touché. Ça, je pense que ça aurait un peu varié. Mais bon, ils l'ont pas fait, tant pis. Ils ont peut-être pas eu le temps, hein, ça arrive. Allez. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais. C'est bon, ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on le loupe. Maintenant, c'est eux qui vont avoir la balle. C'est pas facile, cette épreuve. Parce que là, ils ont du niveau, par contre. Très bien. En fait, il suffit de les mettre à terre. Parce que comme ils sont pas très malins et qu'ils arrivent à 2 vers moi, il suffit de les mettre à terre. C'est ça qu'il faut faire dès le début. Non, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah, bah, bon, trop tard, trop tard. C'est pas grave, c'est nous qui allons avoir la balle. Là, je vais aller essayer de les mettre à terre et je vais faire confiance à Waddle-Dee. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire ça. Non, non, non. Je veux procéder comme ça, mais... Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Je dois pas faire confiance à Waddle-Dee. Faire confiance à Waddle-Dee, je pense qu'en fait, c'est la pire erreur. Parce qu'il est nul. Il est vraiment nul. Allez... Non, 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 non. Faut pas me faire confiance non plus, c'est ça. Ah, mais faudrait que j'en tue un, là. Faudrait réussir à en tuer un, parce que c'est beaucoup plus facile. Ah, voilà, ok. C'est beaucoup plus facile à partir du moment où il y en a un qui est mort. Et on en est pas loin d'en avoir tué un. Enfin, ils sont aussi pas loin d'avoir tué l'un des miens.
Le bandanadi, là... Qu'est-ce que... Ah, c'est encore le délire des drapeaux qui se mettent ensemble. Ok, il est mort. Non, mince, il était mort. C'est plus facile quand il y en a un qui est mort. Parce que là, il va apparaître immédiatement, non? Ouais, il apparaît immédiatement. Ah, c'est pas moi qui l'ai, d'accord. Ok. Non. Qui... Oh, c'est eux qui marquent encore. Bon, s'ils gagnent ce mini-jeu, c'est pas grave. On sera à égalité au niveau des points, c'est tout. Tant pis. C'est la vie. Non. Waddle... Enfin... Ok, ouf. Roi Dadidou, il est redoutable. Il est redoutable comme perso, hein. C'est chaud. Hein. Là, c'est à celui qui marque. C'est tout. Non, c'est eux. Bon, tant pis. Donc, j'ai bien pas perdu, hein. C'est juste... une égalité, on est d'accord. Parce que je comprends pas comment ils font leur classement. La dernière fois, ils m'avaient éliminé, alors que... En fait, j'aurais pas dû, mais bon... Ok, plus 30, plus 50. Ouais, égalité, 80-80. Il y a 4 épreuves. Donc ça veut dire qu'on peut finir le... Mais quoi? Bon, je comprends pas pourquoi, mais bon. Eh bien, c'est reparti. J'espère qu'on va mieux s'en sortir. Mais au début, ça allait. C'était après que ça allait moins, en fait. Ok, d'accord. Bon, de leur faute, on marque. Ça commence... Ah oui, c'est nous. Okay. J'ai eu peur. J'ai cru que ça s'ajoutait de l'autre côté. Voilà. Non. Non. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Non ! Je voulais le descendre. Ce mini-jeu, je pense que c'est là que je vais le plus m'arracher les cheveux. À mon avis, le reste, ça va être facile. Mais il va falloir passer cette étape, quoi. Il va falloir arriver à faire ça. Non, c'est à moi la balle, mais... Je veux que la balle, il me la donne. Mais sérieusement ! Bandanadi, il m'énerve, parce que Bandanadi, il est nul. Il est nul, c'est tout. Il marque quasiment jamais. Il leur emmène le panneau. Laisse-moi la balle, Bandanadi. Oh. Vas-y, ok. Là, il a marqué. Ok, bon. C'est bien. Là, j'avoue. Ça lui arrive, hein. Ça lui arrive. Bon. Non, j'ai cru qu'on avait marqué. Ça, je ne veux pas. C'est su... Ok, c'est bon. En fait, il faut les occuper. Mais c'est compliqué. Ils sont difficilement prévisibles et donc c'est compliqué de... Dire, il suffit de les occuper. Bah, en fait, non, il suffit pas de les occuper. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Bon. Alors, ça, j'en veux pas. Vas-y. Non. Je veux les démolir, en fait. Je veux leur faire mal. Et mince, ils ont marqué. En plus, mon bandana Waddle Dee, il est presque mort. Et le problème, c'est que s'il meurt, bah, c'est perdu. Enfin, non, c'est pas perdu. On perd un point, mais c'est grave de perdre un point, quoi. Non. Là, il est mort, il est mort. Donc, vu qu'il est mort, bah, il peut pas mourir de... Enfin, là, normalement, il va pas mourir. Il a sa barre de vie qui est pleine. Mais bon, ils ont de l'avance encore. Laisse-moi la balle. Non! Là, c'est de ma faute. Désolé. C'est reparti, et je me suis mis en mode lance, parce que je me suis dit que si je changeais de stratégie, peut-être que j'y allais arriver mieux. Ok. Bon, pour le moment, c'est pas... Pour le moment, c'est pas ouf, mais bon, ah mince... Non. Toi, meurs. Yes, ok. J'ai fait perdre pas mal de vie à Roi Dadidou. C'est plutôt satisfaisant. Bon, c'est que le premier point, hein, mais je me dis que dans les faits, si je joue avec des trucs... Il a marqué contre son camp. Ok, mais je me dis que ouais, voilà. Si le problème, c'est peut-être que bah, je suis pas fait pour jouer à ça avec l'épée, quoi. Ok, ça c'est très bien. Bah, ah mince. Non. Ils ont bien réagi. Yes.
on a bien réagi aussi. Très bien. On a déjà 3 points d'avance, ça veut rien dire, hein. 3 points d'avance, c'est une avance qui se dépasse extrêmement rapidement. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Là, c'est là qu'ils ont moyen de facilement gagner un point, parce que... Ah non. Ok. Mince. Ok, ouais. Ils ont moyen de facilement gagner un point là-dessus, parce que, bon, leur offrir le ballon, mettre le drapeau juste ici, non, c'est simple, c'est simple. Alors, là... Non, 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 non. Ok, non, 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 non. Oui, très bien. On a marqué. J'ai eu peur. Bon, on est à un... Ouais, on est à un point de la victoire. Eux, ils en sont à 2, 3, je sais plus. Ok, là, c'est donné. C'est donné, yes! Oh! Je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé de transformation, ou si c'est juste que j'ai eu de la chance, ou les deux. Mais en tout cas, cette fois, c'est bien passé. Ouf! Mais la lance, c'est pratique, parce que comme ça, j'arrivais à les neutraliser dès le début et à leur faire perdre le ballon, donc c'était pratique. C'était bien pratique. Bon. Est-ce qu'ils s'attendent vraiment à ce qu'on fasse un sans faute? Ou si je perds une fois, c'est pas grave? Ça, on va voir, on va voir. Mais là, on est parti pour amasser de l'or. Non, ça sert à rien. Les trucs à distance, ça pouvait être bien peut-être en 2D parce que tu peux viser. Mais là, en vue du dessus comme ça, c'est pas forcément facile de viser. Donc non, non, non. On va y aller normalement. J'y arrive très bien à l'épée, donc on va y aller à l'épée. Quand je suis invulnérable, je peux me faire avoir par le fantôme ou pas? Je sais pas, je dirais que non quand même. Enfin... Ce serait logique. Ok. Là, il y a un fantôme. Donc, si le fantôme est apparu, je vais essayer de jeter... Ok. Je vais jeter le fantôme dessus, c'est très bien. Là, je vais pas lui jeter le fantôme dessus, mais... Ah bah non, parce qu'il est la même équipe. De toute façon, le fantôme peut pas l'attaquer. Non. Tu peux rester sur moi si tu veux, pendant ce temps, mon collègue, il s'amuse. Ah non! Ah, c'est mon pote qui s'est fait... ok, très bien. Là, nous, on peut s'amuser sur ça. Ah, c'est pas du tout le même truc en équipe. Hein. Parce qu'en équipe, faut vraiment le feu... Comme le fantôme, il est obligé d'attaquer l'un d'entre nous, c'est vraiment bien... ça change tout, hein. Mince! Mince, 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 mince. Ok, j'ai eu Waddle Dee. Non, Roi Dadidou. Roi Dadidou, il est bientôt mort, donc ce serait bien de l'avoir quand même. Ok. Vas-y, super. Là, on est à égalité. C'est pas cool, c'est pas cool là. Ok, très bien, j'ai neutralisé son attaque spéciale, ça c'est oufissime. Ah mince! Ah mince, chaud! Bon, on est toujours en train de gagner, mais non, on gagne plus, on gagne plus. Mince, 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 on gagne plus, on va perdre. On est quand même en train de gagner. Rah, ça s'est retourné au dernier moment. Ah bah non, on a gagné. J'ai rien compris. Je voyais pas qui avait quel score. On était l'équipe bleue. Ah bah oui, on était l'équipe bleue, mais cake. Ah bah oui, si, on est l'équipe bleue depuis le début. Non mais alors c'est moi, non, mais j'ai tout inversé. Bon, maintenant c'est le truc d'attrape-pomme. On y retourne avec l'épée, parce que je gagne tout le temps avec l'épée. Mais bon, je sais pas si on va y arriver convenablement cette fois. Mais là, si je perds, je suis toujours premier au classement. Sinon, ça servira à rien de faire un classement. Bah je ne sais pas, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent... Pourquoi ils ont fait un classement si au final, et bah... Bref, c'est pas grave. Vas-y, Roi Dadidou, va-t'en. Bon, vous partez d'ici, parce que ça se fait pas ce que vous faites. Allez. Ok, Roi Dadidou, il est mort, c'est bien. Puis l'autre, il est mort aussi. Ok, ça, c'était assez extraordinaire. En plus, ils ont mis extrêmement longtemps à apparaître. Allez. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il suffit de mettre le dernier coup pour leur faire perdre leur pomme. Pas la peine de mettre tout le combo, il suffit de mettre le dernier coup du combo. Ce qui est plutôt cool, en fait, parce que c'est facile de donner le dernier coup. C'est pas forcément facile de le toucher dès le début, mais le dernier coup, c'est facile. Ok, si t'essayes de me faire tomber, fallait pas essayer. Allez...
Je pense pas que j'arriverai à gagner sans qu'il marque aucun point, mais presque, presque. Vas-y, va-t'en. Va-t'en toi aussi. Là, une pomme dorée. Oh là là, il a donné des coups, mais totalement à côté, là, le roi d'Alidou. Ils ont marqué 4 points, c'est nul, c'est complètement nul. Vas-y, va-t'en. Allez, la pomme dorée. Non, non, le roi d'Alidou part. Ok. Moi, j'aurais bien voulu la pomme dorée, mais bon, je pense que c'est eux qui vont l'avoir. Mince! C'est eux qui vont l'avoir. Bah tant pis, c'est pas grave, ils auront une pomme dorée, tant mieux pour eux. Ça leur fait un truc bien. Ils en ont pas eu beaucoup des trucs bien, donc tant mieux pour eux. Et bien voilà, salut roi d'Alidou. Ah là, malheureusement, je pense pas qu'on remarque de points. Ah si, dépêche-toi, Waddle-Dee. Yes! Et on est à 94. On est presque allé à 100 pommes. On les a écrasés. Et c'est fini ou il va y avoir une épreuve secrète là, une épreuve mystère qu'ils vont dévoiler juste à la fin? Je ne sais pas. On les a écrasés en tout cas. Hein. Bah, de toute façon, on était obligé de les écraser vu que si on n'était pas premier à chaque épreuve, fallait tout recommencer. 200 à 120 points. Et ils nous applaudissent? Bon, alors le gâteau il est pour nous? Waouh! Super! Alors, ils sont où les présentateurs télé, là? On a réussi, on a vraiment réussi! On est les champions! Tu arrives à y croire? On a affronté tant d'adversaires côte à côte! Merci, Kirby! Et maintenant, on a bien mérité de savourer un délicieux gâteau! Pas si vite! Ah! Qui a dit que vous aviez gagné? C'est loin d'être terminé! Mais, Votre Majesté, nous avons remporté tous les combats! Oui, et alors? C'est mon grand prix, et il sera terminé quand je l'aurai décidé. Mais c'est pas juste. Alors ça, tu l'as dit, c'est pas juste. Si tu veux ce gâteau Kirby, il te reste une dernière chose à faire. Tu dois vaincre mon équipe, sans l'aide de ton partenaire. En route pour l'arène, pour l'ultime confrontation. Bon, bah alors allons-y. L'ultime confrontation. Allez Kirby, vas-y. Avec ton pouvoir de prédilection. Et là, c'est juste l'arène. D'accord. Ça m'a pas l'air bien. Ah oui, mais attendez, mais ils sont tous les trois contre moi? Ou quoi? Ah non, 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 ils sont aussi les uns contre les autres, donc tant mieux pour moi. Ok. Allez, non. Va-t'en. Ah, là, j'en ai eu aucun. Attendez, non, je crois qu'ils se tapent pas entre eux. Je sais pas, je comprends pas bien. Je comprends pas bien s'ils essayent de se taper entre eux ou pas. Je vous avoue. Ok, c'est bon, terminé. Ouais, ils étaient dans la même équipe. Ils étaient effectivement dans la même équipe. Bon, bah, c'était une épreuve encore plus facile que les épreuves d'avant. C'était un petit peu une blague, quand même. Mais attendez, est-ce qu'ils nous préparent un truc de plus, là? C'était spectaculaire, Kirby, je savais que tu y arriverais. À nous la récompense. Ah non, il a un autre tour dans son sac. Pas si vite. Mais Votre Majesté, on a gagné tous nos combats! J'ai travaillé dur pour mettre sur pied le Grand Prix d'Adidou! Alors j'affronterai Kirby en duel si j'en ai envie! Il est hors de question que je te laisse gagner! Tu pensais vraiment t'en tirer en si bon compte? Bah ouais. Oh oh oh, eh bien j'ai une petite surprise pour toi! Suis-moi! Et si je ne te suis pas? Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, moi! Ah, il triche un peu quand même, hein. Il devrait admettre sa défaite à un moment. Hein. Kirby! Attends, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a roi d'Alidou derrière cette porte. Kirby! Oh, pauvre Kirby. Et Waddle-Dee reste bloqué ici. Elle est où la machine? C'est ça, Kirby. Monte dans l'ascenseur derrière le trône. Allez, plus qu'un. Le pauvre, le pauvre. Ah, ok, d'accord. Il y a un gros ascenseur ultra technologique derrière ce truc. Pourquoi pas? Il y a un gros dé, comme pour roi d'Adidou. Sérieux, le mec, le mégalo. Oh oh. Ah, donc il y a bien un vrai combat de boss. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros robot d'Adidou, là. Mon dieu. Bon, il m'a l'air... Il m'a pas l'air si balèze que ça.
Mais c'est cool que ça finisse par un vrai boss et pas par des épreuves comme on a eu depuis le début. C'est le combat final, donnez tout! Bah attendez, qu'est-ce que c'est quoi la blague? Attendez, il m'enchaîne l'autre? Ok. Le pauvre! Kirby! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Utilise ça! Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Je jette le Kirby dedans, c'est ça? Ouais, à mon avis, c'était ça. Voilà, ok. D'accord, donc je lui ai fait perdre un peu de vie. Et donc... Ah, maintenant, je peux le taper. Allez. Chargeons. Ouais, on lui fait pas mal. Enfin, on lui fait pas mal de dégâts. Ah, ça n'a pas duré longtemps, par contre. Pauvre de nous. Qu'est-ce qu'il envoie, là? Ok. Un jeteur de bombes, c'est pas cool. Ah, bah il envoie pas que... Attendez. Je me suis éjecté. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de m'éjecter moi-même, mais... Ah non, j'en ai éjecté un, j'ai pas compris. Ah, j'en ai éjecté un, très bien. Il a réussi à sortir ou quoi? J'ai pas compris. Ok. Non, faut pas que je me jette dedans, si. Je comprends pas. Allez. C'est bon, il retombe. Oh, c'est assez épique comme combat, hein. Je suis assez surpris. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Non, si la tornade me gêne pendant que je dois taper Dadidou, ça va pas le faire. Allez. Ok. Bah, elle m'a beaucoup gêné quand même, la tornade. Allez. Vas-y. Bim. Ah, c'est cool comme combat. C'est assez original, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Non, j'ai jeté juste à côté. Et en plus, faut pas que je le tue. Non. Je suis en train de perdre des vies, mais... Oh! Et en plus, j'ai plus d'orbes, là. Donc, si j'ai perdu mes vies, je pense que c'est fini. Hein. Oh là 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 là, comment je me fais démonter! Mais il m'enchaîne, là! Il m'enchaîne, les Kirby, c'est chaud! Je suis mort. Oh là 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 là! Il ne rigole pas, là. Il nous enchaîne, mais à une vitesse. Mais t'as pas de répit, hein. En plus, regardez, ce Kirby-là, dès qu'il est apparu, il m'a enchaîné. Oui, vas-y, fais apparaître le truc. Enfin, il pourrait commencer le combat avec le truc qui est déjà là, quand même. Hein, mais... Allez. Non. Non, mais qu'est-ce que... Ça me fait des dégâts quand je tombe dedans. Je crois que ça lui fait des dégâts aussi, mais bon, comme ça me fait des dégâts, c'est pas bien. Ok, super. Voilà. Là, je le fais tomber. Très bien. Et il n'y a pas de Kirby pour m'embêter. Allez. Ah oui, mais c'est limité, en fait, le nombre de coups que je peux lui donner, d'accord. Ils avaient tout prévu. Allez, venez ici. Pourquoi il bug, là? Non. Non. Je les ai mis à terre, mais comme il préparait son attaque, j'ai pas voulu en faire plus. Ok, très bien, je l'ai jeté dedans. Mais il s'est jeté dedans! C'est pas malin! Quand il se jette dedans, c'est pas très malin. Hein. Allez. Non, je préfère les éviter, en fait. Non. Surtout qu'ils se prennent tout seuls les trucs de... Mince. En fait, c'est trop la galère quand ils sont plusieurs. Au début, ça va. C'est pas dur. Mais quand ils sont plusieurs, ça devient vraiment très rapidement la grosse galère. Allez, ok, je l'ai mis dedans, très bien. Ok, il tombe. Mais bon, le fait qu'il tombe, ça m'arrange en rien, parce que maintenant, le verre, il va m'embêter, hein. Comme d'habitude. Ok, là, il va pas trop m'embêter, le verre, c'est bien. Allez, ok, il retombe dedans. Qu'est-ce qu'il me prépare comme coup? Ah, bah, il m'a renvoyé des Kirby. Très bien, c'est comme il veut.
Ouf, j'ai réussi à éviter, je suis assez surpris de moi. Mais il s'est jeté dedans lui aussi. Ils sont vraiment pas malins, mais c'est vraiment tant mieux. Hein. Oh, loupé. Quand il y en a trois, c'est impossible. C'est impossible. Y a rien à faire. Je comprends pas. Quand il y en a trois, je comprends vraiment pas comment tu peux faire. Tu peux pas tous les gérer. Ok, là j'en ai envoyé deux d'un coup, c'est très bien. Mais c'est pas fini parce que... Mince, non. Là j'ai une... J'ai survécu, à peu près. La tornade, c'est le pire. La tornade, c'est vraiment le pire. Ok, là il tombe et là je le finis ou pas? En fait, la tornade, je crois que je le sous-estime, ce pouvoir. Si je jouais avec, je pense que je serais vraiment fort, mais il faut réussir à le contrôler. Et bien voilà. Ok. Daddy Douleur. Il s'appelait Daddy Douleur. Le truc. Daddy Douleur Ved. Et bien voilà. Salut Daddy Dou. Il aura cherché, hein. Allez, explose. Ah, il reste encore... Ah non, je croyais qu'il restait encore un truc. Non, c'est bon. Il est éjecté. C'est bon, on peut avoir le gâteau maintenant ou pas encore? C'est quoi ça? C'est la machine à Kirby. Qui est détruite? On va être débarrassé de tous ces Kirby. Ah, ils disparaissent. Super. Enfin bon, ils étaient pas si méchants que ça. Enfin, ils travaillaient pour Roi Daddy Dou, mais bon. Les amis, voilà, tout est bien qui finit bien. Kirby, il a son gâteau. Moi, je vous laisse devant le générique et puis voilà. Donc, juste avant, je vous dis, si cette série vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle série sur le jeu Kirby sur Nintendo Switch. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!